FIFA si que oje wa mide me le kunino po. L'abra palabre se meurt et derrière se cache un soleil qui cogne fort. L'abra palabre manque de sève et ses feuilles s'assèchent. Je suis donc allée dans le secret des dieux et telle une humble secrétaire, je viens secréter le secret sacré parlant des fissures de l'arbre blessé. Dans la course au pouvoir, tout est permis, sauf le sacrifice de la paix du pays. Car quand pour diriger une nation, les plus forts se battent, c'est le peuple qui en souffre. Et ça, c'est bête. Si hier, nous n'avons pas pu nous comprendre, aujourd'hui, le trône est pris, il est temps de nous entendre, de tolérer, de pardonner, de repartir, pour ensemble rebâtir. Dialoguer, ouvrir les prisons qui émurent nos consciences. Cette volonté de dire non, celle qu'on n'oublie pas. Il faudra aussi bien les écouter pour rendre nos querelles conciliantes. Mais avant, il faudra surtout bien se porter. Et pour cela, n'oublions pas le respect des gestes barrières. Se laver les mains à l'eau et au savon, porter le cache-nez et respecter la distance de sécurité. Car la Covid-19 existe, insiste, persiste et tue. Parce que pour notre pays, la paix est possible. Il faut qu'on apaise toutes les crises. Les leaders religieux et traditionnels doivent aussi apporter leur touche. Car ce qui dépasse l'humain se soumet toujours au divin. Se concerter, parler, pacifier et se réconcilier, tout en respectant les institutions de la République. Ce sont ces mots qu'ont slamé les présences spirituelles à travers ma voix, pour qu'à jamais renaisse notre arbre, l'arbre.